Pas trop stressé? Non? Bonjour? Bien, mesdames et messieurs, avant d'ouvrir nos travaux, je vous propose d'observer une minute de silence en hommage aux Déodaciennes et Déodaciens emportés par l'épidémie de Covid-19 depuis le début de cette année. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les élus, il y a un peu plus de 6 ans, le 4 avril 2014, c'est le cinquième adjoint au maire, qui accueillait symboliquement les nouveaux élus au salon d'honneur de l'hôtel de ville de Saint-Dié-des-Vosges, alors que chacun sait que c'est au maire sortant de le faire. Est-il vraiment besoin d'insister sur la différence entre cette photographie du 4 avril 2014 et celle de notre 28 mai 2020 ? À l'époque, pas de masque, en tout cas sur les visages. Moins de distance apparente. C'est en qualité de maire sortant de la ville de Saint-Dié-des-Vosges que je vous accueille ici, dans ce temple du collectif, de l'effort, de l'engagement, le Palais Omnisports, un lieu dont nous n'oublions pas qu'il porte le nom d'un de nos lointains prédécesseurs au Conseil municipal, l'adjoint au sport communiste Joseph Claudel. Quel plus beau message que celui de l'esprit sportif et de la nécessaire continuité républicaine pour porter ce nouveau mandat sur les fonts baptismaux. Le mandat qui s'est achevé n'a pas été avare en difficultés. Rien ou presque n'a été épargné à l'équipe, alors aux responsabilités. Menace de mise sous tutelle pour cause de finances catastrophiques dès 2014. Atmosphère plombée d'une France frappée par les attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan et de Saint-Étienne-du-Rouvray notamment. Bouleversement total des repères politiques traditionnels et son lot de tiraillements. Crise des gilets jaunes, violence urbaine, enfin pandémie comme l'Europe n'en avait pas connue depuis un siècle. En face de cela, bien des satisfactions pourtant. Une ville qui s'est désendettée de 10 millions d'euros nets. Une Déodacie qui s'est enfin unie après des décennies de retard dans la division. Une paix scolaire enfin signée avec l'enseignement privé. La création du jardin Simone Veil. L'accueil du président de la République pour la première fois depuis 24 ans. L'organisation du Tour de France pour la première fois tout court. Le lancement du programme Action Cœur de Ville et le lancement du projet de la boussole. Rassurez-vous, mesdames et messieurs les élus, vous aurez, vous aussi, votre lot de difficultés et de succès, d'amertume et d'enthousiasme. Peut-être réussirez-vous même à clore ce mandat comme nous l'avons achevé, avec un soutien très large de l'opposition au budget proposé par la majorité dans la Concorde. Je nous le souhaite. Mesdames et messieurs de la ville de les élus de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, vous allez avoir la chance de travailler avec des agents municipaux dont le sens du service public force souvent l'admiration. N'oubliez jamais
qu'ils sont des femmes et des hommes comme vous, faits de chair et de sang, et non les simples instruments d'une volonté fût-elle éclairée. Permettez enfin à cette heure que j'exprime une dernière fois ma gratitude à l'équipe municipale sortante que j'ai animée pendant 6 ans. Elle était novice pour l'essentiel. Elle a servi la ville avec bon sens, avec désintéressement, avec engagement. Avant de m'asseoir parmi vous et de redevenir l'un de vous, c'est-à-dire un nouvel élu, je vous livre un dernier conseil. Soyez conscient de votre chance. Servir le peuple est un honneur qui se paie de beaucoup de tourments. Mais servir le peuple élève une vie. À plus forte raison, quand il s'agit de servir une ville passionnée et passionnante, une ville généreuse, populaire, courageuse, une cité plusieurs fois abattue, mais toujours relevée, une communauté de combattants comme l'est notre Saint-Dié-des-Vosges. Je vais donc procéder à l'appel nominal des membres du conseil municipal selon les résultats du 15 mars 2020. David Valence présent, Bruno Toussaint, Brigitte Henry, Jean-Marie Vonderscher, Dominique Chaubeau, Patrick Zanqueta, Boris Sec, Mustapha Guglu, Colette Dauphin, Jean-François Bruel, Marc-Claude Ancel, Roselyne Froment, Jean-Joël Piton, Micheline Salzman, Françoise Legrand, Patrick Vouriot, Claude Kiner, Edith Augusto de Sa, Gina Filogonio, Alex Comadina, Myriam Paquet, Issam Benouada, Caroline Mathioni, Nicolas Ballant, Bartholomew Jurek, Nicolas Simon, Hélène Vattier, Pierre Janel, Grégoire Gattel, Adrien Gomis, Amélie Heinburger, Romain Gagné et Geoffrey Mouret. Je vous déclare installé comme conseiller municipal de la ville de Saint-Dié-des-Vosges et je cède la présidence de cette séance à la doyenne d'âge, Madame Marie-Claude Ancel. Merci. Conformément à l'article L2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Au terme de l'article 1 de l'ordonnance numéro 20-2020, -562 du 13 mai 2020. Le Conseil ne peut délibérer que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent. Le nombre de conseillers présents à la séance étant complet, il forme le tiers, plus du tiers des membres en exercice. Je constate que le quorum nécessaire est atteint. Constitution du bureau. Pour les opérations de vote, le conseil municipal doit désigner 2 assesseurs au moins. Nous vous proposons M. Pierre Janel, M. Romain Gagné sont désignés assesseurs. Avant de procéder à l'élection du maire, je vous donne lecture des articles L2122-4, L2122-5 et L2122-7 du Code général des collectivités territoriales. Article L2122-4. Le Conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres.
au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membres de la Commission européenne, membres du directoire de la Banque centrale européenne ou membres du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L2122-5. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxe ne peuvent être maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnés au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Article L2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Les candidatures sont ouvertes. Qui est candidat ? Bien. Premier tour de scrutin, pas d'autres personnes ? Bien. Premier tour de scrutin. J'invite mesdames et messieurs les conseillers municipaux à procéder au scrutin secret et à la majorité des suffrages à l'élection du maire. Karine. Compris. Madame la présidente de séance, je souhaiterais intervenir brièvement pour présenter ma candidature. Je vous demande la parole pour présenter sa candidature. Il faut marquer là. Et c'est qui sont les assesseurs ? Hein ?
Vous pouvez prendre la parole. Madame la présidente de séance, je vous remercie de me donner la parole pour présenter brièvement ma candidature. Je tiens à remercier les électeurs qui ont apporté leur soutien à la liste Rassemblement national que j'ai conduite, des électeurs qui se sont déplacés dans un contexte de crise sanitaire inédite et qui étaient d'ailleurs moins nombreux qu'à l'accoutumée. Je me félicite que notre liste ait pu mettre au débat des sujets essentiels tels que l'insécurité persistante, même si je sais que des efforts ont été faits à Saint-Dié-des-Vosges, les associations politisées, la démocratie participative ou encore la culture. C'est en ce sens que j'aborde ce mandat avec la volonté de défendre les mesures que j'ai avancées au long de cette campagne. Le retour de la sécurité, la modération fiscale, la lutte contre le communautarisme et l'existence d'une vraie démocratie de proximité. J'agirai avec une double volonté, défendre les orientations que nos électeurs nous ont demandé de porter au sein de ce conseil municipal et défendre le bien commun et l'intérêt de notre ville. J'ose croire que la majorité en place saura écouter mes propositions afin de permettre une démocratie vivante qui passe en premier lieu par le respect de l'opposition. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pour les opérations de vote, le conseil municipal doit désigner deux assesseurs. Nous vous proposons M. Pierre Janel et M. Romain Gagné. J'invite mesdames et messieurs les conseillers municipaux à procéder au scrutin secret à la majorité des suffrages à l'élection du maire. À l'appel de votre nom, vous voudrez bien déposer votre bulletin écrit sur papier blanc dans l'urne. Une par personne. Ah ben non, deux. Une. Merci. Un des assesseurs peut-il tourner avec l'urne, s'il vous plaît?
dépouille. Je leur dis. Quand ils ont fini la tournée. Dépouillement du scrutin, s'il vous plaît. David Valence. David Valence. David Valence. David Valence. Blanc. David Valence. 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 Geoffrey Mouret. C'est un blanc. En blanc. David Valence. David Valence. David Valence. David Valence. David Valence. David Valence. Un blanc. David Valence.
Redis-moi le nombre de bulletins. Nombre de bulletins. Merci bien. Nombre de bulletins, 33. Bulletin blanc, 4. Monsieur Mouret, 1. Monsieur David Valence a obtenu 28 voix. Monsieur David Valence ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, je le proclame maire, le déclare immédiatement installé et l'invite à prendre la présidence de l'Assemblée. Je lui adresse mes chaleureuses et amicales félicitations. Mes chers collègues, d'abord, excusez-moi d'avoir mis un ton un peu solennel tout à l'heure en ouvrant la séance. J'espère que ça n'a pas plombé l'allégresse qui doit être la vôtre pour exercer, notamment pour les nouveaux élus, votre mandat pour la première fois. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mes chers collègues, votre confiance me touche et m'émeut. Merci. Alors que je revais pour la seconde fois l'écharpe de maire, je suis plein de reconnaissance pour les Déodaciennes et les Déodaciens. Il y a 6 ans, sur une idée originale de Maxime Boden, bientôt suivie par Dominique Chaubaud, les Déodaciennes et Déodaciens ont fait confiance à un jeune homme de 32 ans, dont ils savaient peu de choses auparavant, sinon qu'il incarnait avec son équipe le changement. J'ajoute que j'avais le tort d'être né à Épinal et d'être professeur d'histoire dans la ville de la géographie. Le 15 mars dernier, c'est une victoire nette qui est venue, au contraire, saluer notre bilan, mais surtout encourager un projet différent, une équipe alliant expérience et renouvellement. Parmi tant d'autres, je voudrais remercier Bruno Toussaint, Patrick Schmitt, Jean-Michel Kiner et Robert Legrand, qui furent parmi les artisans essentiels de ce succès. C'est à mon père, qui mène aujourd'hui un combat redoutable, et à ma mère, que je dédie cette nouvelle écharpe. Avec toute ma famille de Vosgiens ombrageux et opiniâtres, je sais qu'ils m'accompagnent en cet instant. Merci aussi à Olivier, mon compagnon. Il m'a donné la force de poursuivre l'aventure avec vous au moment de doutes qui sont nombreux. La crise que nous traversons a plusieurs visages. Sanitaire, social, écologique, économique. Elle a validé ce que nous proposions aux Déodaciennes et Déodaciens le 15 mars 2020. Répondre aux besoins de protection de la population et aux besoins d'innovation de la cité. Les solidarités, la transition écologique et la redynamisation du cœur de ville seront nos priorités au cours de ce mandat de 6 ans.
Nous prendrons aussi toute notre place au sein de la Déodacie unie pour les sujets qui relèvent d'une échelle plus vaste. Je pense évidemment à la santé et à l'économie. Nos concitoyens, nos entreprises, dans les mois qui viennent, vont souffrir. Il faudra une mobilisation de tous les instants pour répondre à leur attente. Pour la méthode, je vous propose de privilégier la sobriété et la proximité. Sobriété financière pour continuer à assainir les finances de la ville. Sobriété écologique pour lutter contre l'anthropisation démesurée de notre monde à notre niveau. Sobriété du style en privilégiant l'action sur les formules ronflantes. Quant à la proximité, elle n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui. Elle suppose des élus disponibles pour s'en consacrer le temps nécessaire aux affaires publiques. La proximité implique, en outre, de mieux associer les citoyens à la décision. Enfin, être proche permet de mieux informer, de partager avec les citoyens des éléments fiables de connaissance, y compris sur les sujets qui nous dépassent. Et le besoin d'informations fiables est aussi une des leçons de cette crise. Je tends d'ores et déjà la main aux oppositions. Le temps est venu de serrer les rangs. Nous respecterons vos propositions. Vous comprendrez, je le crois, nos responsabilités. Nous devons avoir la République en partage et en commun. Mes chers collègues, seuls 13 d'entre nous sur 33 siégeaient auparavant à la table du Conseil municipal. C'est un fort renouvellement. Apprenons ensemble à faire bloc pour servir le bien commun. Apprenons à travailler de façon toujours plus étroite avec ceux qui nous soutiennent dans nos actions, la région Grand Est, l'État, le département des Vosges. Il faut ouvrir grand nos portes, les portes de notre action. Il faut ouvrir grand l'hôtel de ville sur le monde qui l'entoure et ne pas nous enfermer dans nos certitudes. Et maintenant, mes chers collègues, au travail. Bien, je constate que le quorum est réuni. Ça a déjà été le cas d'ailleurs pour l'élection du maire. Le deuxième point à l'ordre du jour appelle la fixation du nombre des adjoints selon l'article L2122 du Code général des collectivités territoriales. Pour mémoire, dans le mandat de 2008-2014, il y avait 13 adjoints au maire à Saint-Dié-des-Vosges. Dans le mandat 2014-2020, au début, il y avait 11 adjoints au maire. Je vous propose de fixer le nombre des adjoints à 9. Y a-t-il des demandes de prise de parole à ce sujet ? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il y a donc 3 abstentions. Le nombre des adjoints est donc fixé à 9. Je vais vous rappeler les règles qui gouvernent cette élection des adjoints au maire, en précisant d'emblée que certaines des personnalités qui ont pu s'illustrer sur le terrain municipal lors de la mandature précédente pourront être amenées à s'impliquer sur d'autres chantiers territorialement plus vastes dans les semaines qui viennent. Au titre de l'article 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, dans les communes de 1 000 habitants ou plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement de candidats de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon la règle prévue à l'article L2122-7. Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis
parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder, le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont dans l'ordre du tableau le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. De ceci, il résulte donc que seules les listes qui seront proposées seront considérées comme valables. Tout vote différent de ce qui sera proposé comme liste par les différents groupes, s'il y a plusieurs propositions, sera considéré comme un scrutin, un suffrage nul. Je vous propose donc la liste suivante pour constituer l'exécutif de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Comme premier adjoint, M. Bruno Toussaint. Comme deuxième adjointe, Mme Brigitte Henry. Comme troisième adjoint, M. Jean-Marie Vanderchère. Comme quatrième adjointe, Mme Dominique Chaubeau. Comme cinquième adjoint, M. Patrick Zanqueta. Comme sixième adjointe, Mme Bourri-Sec. Comme septième adjointe, M. Mustapha Guglu. Adjoint, pardon. Comme huitième adjointe, Mme Colette Dauphin. Et comme neuvième adjoint, M. Jean-François Bruel. Je rappelle cette liste. Bruno Toussaint, Brigitte Henry, Jean-Marie Vanderchère, Dominique Chaubeau, Patrick Zanqueta, Bourri Sec, Mustapha Guglu, Colette Dauphin et Jean-François Bruel. J'aurai l'occasion tout à l'heure de préciser le cas échéant les conseillers délégués que je proposerai lors de la séance suivante. Donc, vous invitez. Alors, on a besoin de désigner de nouveau des assesseurs ou ceux qui ont été désignés précédemment peuvent à nouveau remplir leur office, j'imagine. Donc, je vais demander à Pierre Janel et à M. Romain Gagné de bien vouloir distribuer les bulletins de vote pour qu'on puisse voter. Je n'ai pas demandé s'il y avait d'autres listes. À l'opposition, si... Non, très bien. Je précise que aux personnes que j'ai proposées comme au poste d'adjoint, qu'elles sont dispensées de voter blanc, comme je l'ai fait tout à l'heure pour l'élection du maire, puisqu'il s'agit d'un scrutin de liste, et donc elles peuvent voter pour elles-mêmes sur la liste, bien sûr. On n'a toujours pas de bulletin. Ils sont où les bulletins ? Parce que j'en avais pas moi. Donc je rappelle la proposition que je vous fais, Bruno Toussaint, Brigitte Henry, Jean-Marie Vanderchère, Dominique Chaubeau, Patrick Zanqueta, Bourri Sec, Mustapha Guglu, Colette Dauphin et Jean-François Bruel. Je précise que pour une raison qui m'échappe, c'est l'ordre qui figure sur la liste qui est sur vos tables jusqu'au nom de Jean-François Bruel, à l'exception de mon nom. Bien sûr. Oui. Il faut écrire chaque nom. Oui. Oui.
vais inviter les assesseurs à faire le tour avec les urnes. Je pense que tout le monde a fait ses devoirs d'écriture. J'ai pas mis le. C'est pas grave. C'est pas grave.
Bien, la liste, je vais inviter les assesseurs à me porter les résultats. Bien, suffrage exprimé 33, exprimé 29, 4 blancs. La liste Bruno Toussaint, Brigitte Henry, Jean-Marie Vanderscher, Dominique Chaubeau, Patrick Zanka, Boris Sec, Mustapha Guglu, Colette Dauphin et Jean-François Bruel ayant obtenu la majorité absolue. Monsieur Bruno Toussaint est élu premier adjoint au maire, Madame Brigitte Henry, deuxième adjointe au maire, Monsieur Jean-Marie Vanderscher, troisième adjoint au maire, Madame Dominique Chaubeau, quatrième adjointe au maire, Monsieur Patrick Zanketa, cinquième adjoint au maire, Madame Bourissec, sixième adjointe au maire, Monsieur Mustapha Guglu, septième adjoint au maire, Madame Colette Dauphin, huitième adjointe au maire, et Monsieur Jean-François Bruel, neuvième adjoint au maire. Je les déclare installés et je les invite à prendre place à côté de moi. Prendre l'écharpe au passage. Je précise les délégations que j'attribuerai à chacun par arrêté dès demain. Monsieur Bruno Toussaint sera adjoint délégué aux solidarités, à la sécurité et au quartier-village. Il aura auprès de lui comme conseillère déléguée à partir de la semaine prochaine Madame Myriam Paquet pour la condition animale, Madame Marie-Claude Ancel pour les seniors, le handicap et le logement et Madame Roselyne Froment pour l'enfance. Madame Brigitte Henry se verra attribuer la délégation de la transition écologique et de la citoyenneté. Elle aura auprès d'elle Monsieur Alex Comadina comme conseiller délégué à la participation citoyenne. Monsieur Jean-Marie Vanderscher recevra la délégation des finances, des ressources humaines et de l'administration générale. Madame Dominique Chaubeau sera adjointe à l'urbanisme opérationnel au centre-ville et au commerce. Monsieur Patrick Zanketa sera adjoint aux travaux, aux fonciers et à la forêt, avec comme conseiller délégué auprès de lui Monsieur Nicolas Simon, conseiller délégué aux travaux du quotidien. Madame Bourissec sera adjointe à l'éducation, avec auprès d'elle comme conseiller délégué Monsieur Jean-Joël Piton, conseiller délégué aux affaires scolaires. Monsieur Mustapha Guglu sera adjoint délégué à la jeunesse, au sport et à la vie associative, avec auprès de lui comme conseillère déléguée Madame Edith Augusto à la jeunesse et au sport collectif. Madame Colette Dauphin sera adjointe déléguée à l'état civil, à la mémoire, au patrimoine et au jumelage. Et Monsieur Jean-François Bruel sera adjoint délégué au quartier de Saint-Roch, de l'Orme et de Kellerman, avec auprès de lui comme conseiller délégué Monsieur Issam Benouada, conseiller délégué à la vie des quartiers. Madame Françoise Legrand sera conseillère déléguée auprès du maire, déléguée à l'égalité hommes-femmes. Bien, mes chers collègues, il reste dans les points d'élection classiques dans l'installation. Oui, monsieur Gagné. Oui, allez-y, je vous en prie. Même si notre légitimité et votre légitimité sont mises à rude épreuve. Gardons en tête ces 33% de participation tout au long de ce mandat et faisons donc preuve d'humilité. Notre volonté est de participer à la réflexion collective au sein de ce Conseil. Nous n'avons pas envie, ni même les moyens, d'ailleurs, d'être un groupe d'opposition, d'affrontement, d'objection systématique, mais un groupe de propositions, de construction et d'échanges pour travailler ensemble en bonne intelligence. Nous ne voulons pas nous satisfaire de voter ou pas
pour des décisions prises au sein d'un cabinet ou même individuelles prises par le maire seul. Nous sommes là pour donner une impulsion écologique et citoyenne au fonctionnement de notre ville, pour apporter une vision différente des politiques et actions mises en place jusqu'à maintenant. Il est plus qu'urgent d'agir pour le climat. Et l'échelle communale est un excellent niveau pour mettre en place des actions afin que les choses changent rapidement et concrètement. Il faut réinventer notre ville, la penser, l'organiser différemment pour demain. Faire de Saint-Dié une référence, une ville inspirante. Notre démarche consiste également à collaborer avec tous les volontaires, les habitants, les personnes ayant déjà réfléchi à des solutions concrètes ou étant prêtes à y réfléchir. Nous voulons mettre en place des échanges réguliers avec la population et organiser fréquemment des comités citoyens pour faire vivre la démocratie et recréer des liens forts entre les élus et tous les habitants. Vous l'aurez compris, notre groupe se veut constructif, force de proposition pour faire avancer notre ville dans la transition écologique, dans un esprit d'écoute respective. Merci Madame la conseillère municipale. Je me contenterai simplement d'observer sur la remarque que vous avez faite sur les taux de participation, que ce taux de participation à l'échelle nationale n'est pas le plus faible de toute l'histoire de la démocratie française, et y compris à Saint-Dié, on a connu des élections avec moins de participation, et que la liste que nous avons conduite a réuni plus de voix qu'au premier tour de l'élection en 2014, et que tout le monde ne peut pas en dire autant. Je vais donc vous lire la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre du mandat. Voilà, nous devons prendre acte de cette charte de l'élu local. Je crois qu'il n'y a pas de vote là-dessus. Nous en prenons donc acte. Mes chers collègues, le premier point formel à l'ordre du jour, en dehors de celui que nous avions à aborder pour l'installation du nouvel exécutif municipal, appelle l'adoption du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 16 décembre 2019. C'est vrai que c'est une date un petit peu tardive. Nous avions prévu à l'époque que le Conseil municipal se réunisse fin mars et donc on aurait été dans la règle de la réunion tous les trimestres. Malheureusement, le Covid en a voulu autrement. J'ai l'occasion, j'en ai prévenu notamment préalerté les uns et les autres, j'ai eu l'occasion de dire que comme ça avait été le cas lors de la mandature précédente, nous nous réunirons évidemment très régulièrement et de façon tout à fait exceptionnelle dès la semaine prochaine, vendredi 5 juin à 19h, ici même, pour achever d'installer ce conseil municipal. Y a-t-il des remarques à faire sur la forme de ce compte-rendu du 19 décembre 2019 ? Il n'y en a pas, nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est donc adopté à l'unanimité des suffrages exprimés. Le sixième point concerne le plan de soutien aux activités commerciales du centre-ville. Vous savez les uns les autres que nos commerçants ont été durement frappés par la crise du Covid-19, par l'épidémie, obligés de fermer leur commerce, pour certains encore jusque dans quelques jours, je pense aux restaurants, aux bars notamment, et pour tous entre le 17 mars et le 11 mai.
Il a donc été décidé assez vite au sein de cette équipe au départ sortante de consulter bien sûr les associations de commerçants. Plusieurs réunions ont eu lieu avec eux, de consulter aussi les élus d'opposition sortants. J'ai parlé également, j'en ai échangé avec d'autres élus, et de vous proposer, après tous ces débats, un plan de soutien au commerce de Saint-Dié-des-Vosges, qui est un plan progressif. Toutes les mesures ne vont pas entrer en vigueur immédiatement aujourd'hui ou demain, mais qui est un plan qui permet de répondre à un certain nombre des défis auxquels nos commerçants vont être très rapidement confrontés. Dans ce plan, il y a d'abord l'aide que nous pouvons apporter aux commerçants pour assurer leur propre sécurité sanitaire et rassurer les habitants de la Déodacie qui viennent consommer chez eux, ou d'ailleurs les habitants d'autres territoires. Et donc, pour cela, nous offrirons 5000 masques grand public, exactement comparables à celui que je porte devant vous, au commerce de moins de 5 salariés de Saint-Dié-des-Vosges, situés en centre-ville. Nous vous proposons également d'exonérer du droit de place les commerçants alimentaires non sédentaires, c'est-à-dire ceux qui sont installés sur le marché de Saint-Dié-des-Vosges les mardis et vendredis, pour une période qui court du 1er juin au 31 août 2020. Vous savez que le marché n'a pu se tenir à Saint-Dié-des-Vosges pendant plusieurs semaines et nous en étions d'ailleurs très chagrinés. Et c'est une mesure qui a été mal comprise par les habitants et nous les comprenons. C'était une décision nationale, comme vous le savez. Nous proposons également d'accorder 10 000 heures de stationnement gratuites sous forme de bons qui seront remis aux commerçants sur le modèle de ce qui a été réalisé dans d'autres villes et tout récemment encore dans la commune de Niort. Plutôt que d'établir une gratuité générale sur le stationnement, comme nous l'avons fait à plusieurs reprises sous la mandature précédente, et dont nous savons qu'elle a tendance structurellement à favoriser les voitures tampons. L'objectif, c'est plutôt que les commerçants donnent ces bons gratuits, évidemment homologués entre guillemets par la police municipale et nationale, qu'ils les distribuent à leurs propres clients pour que ces clients puissent rester plus longtemps en stationnement en surface ou même qu'ils puissent tout simplement passer cette heure-là dans ce commerce-là. Nous proposons également d'acquérir 50 000 euros de bons d'achat ou sous une autre forme, on le verra, pour la commune, donc, qui serait utilisable dans les commerces de centre-ville. On verra si on les remet aux associations de commerçants pour qu'ils puissent organiser un jeu concours ou toute autre formule. Nous proposons de piétonniser la rue Joseph-Mangin, qui est une des rues d'accès à la place du marché. Et nous préconisons d'exonérer du droit d'occupation des domaines publics, les bars et les restaurants pour l'ensemble de l'année 2020 et d'autoriser l'extension à caractère exceptionnel et de façon gratuite de certaines terrasses aux endroits où cela est possible et après validation indispensable par les services de la ville de Saint-Dié-des-Vosges pour une durée de 3 mois à compter de la date de réouverture proposée par l'État pour ces bars et ces restaurants. Voilà, je lance le débat sur ces mesures. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet, sur ce programme qui a été travaillé? Oui, Monsieur Mouret. Ça me semble être des mesures de bon sens. Je pense entre autres aux 5000 masques grand public qui seront offerts, à l'exonération du droit de place pour les commerçants alimentaires, aux heures de stationnement ou encore aux bons d'achat. Mais je pense qu'il serait nécessaire aussi d'attribuer une aide individuelle aux commerçants à hauteur de 1 000 euros. Est-ce que je peux vous demander, monsieur le conseiller municipal, sur quels critères vous décideriez l'attribution de cette aide? Ce serait notamment pour les aider à payer leur loyer, compte tenu qu'ils ont dû fermer, qu'ils n'ont pas eu d'activité pendant un certain temps. Alors, sur... ce que je peux préciser aussi, c'est que bien sûr, ce qu'on a détaillé là ne résume pas toutes les actions qui sont entreprises pour soutenir les entreprises de Saint-Dié-des-Vosges. À ce titre, la communauté d'agglomération a décidé de s'associer au fonds Résistance, qui est un fonds qui permet de venir en aide à tous ceux qui ne peuvent pas bénéficier des aides d'État, notamment des fameux 1 500 euros par mois d'activité, pour les commerces notamment.
Et c'est à hauteur de 2 euros par habitant que la communauté d'agglomération a décidé d'y adhérer. Donc, c'est une somme d'un peu plus de 150 000 euros qui sera dépensée par l'agglomération pour les commerces en aide directe ainsi octroyée. Là, on parle bien d'aide de la ville. Et puis, si je peux me permettre, à chaque fois qu'on propose une aide, il faut mettre des critères. Parce que aider, par exemple, tout à l'heure, j'ai insisté sur le commerce de centre-ville. On sait bien que c'est là que ça a le plus souffert. Donc, c'est simplement une remarque sur ce que vous proposez. Je tiens par contre à faire une remarque sur ce fonds résistance dont vous parlez, car il s'agit avant tout d'une avance qui sera remboursable au bout de 2 ans. Oui, effectivement, mais je peux vous assurer pour siéger tous les lundis matins dans le comité d'engagement que les entreprises qu'on aide sont souvent des entreprises qui sont très en difficulté, qui sont très heureuses d'avoir cette aide, ou les associations. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet ? Oui, Monsieur Gagné, allez-y. Alors, une question sur la piétonnisation de la rue Joseph-Mangin. Est-ce que c'est envisagé de la piétonniser définitivement ou c'est juste pendant cette période ? Parce que nous, on a plusieurs retours comme quoi cette rue est dangereuse, notamment pour les vélos qui passent juste devant. Donc voilà, ça c'est la première question. Et la deuxième question était sur les 50 000 euros distribués aux Déodaciens. On voulait un peu savoir sous quelle forme, quelles sont un peu les modalités de partage de ces 50 000 euros. Bon, on va construire. Alors, sur la deuxième question, je ne peux pas vous faire de réponse ferme et définitive. On va acquérir ces bons et ensuite, on va essayer de trouver une modalité de répartition avec les associations de commerçants qui soit la plus intéressante possible pour leur activité. Je sais que Dominique Chaubeau y travaille déjà, donc ça pourrait être soit sous forme de jeu concours où la ville a acheté ses bons et elle les remet aux associations de commerçants pour qu'ils organisent un jeu concours, soit ça peut être remis aux Déodaciens sous une autre forme, on verra. Pour le moment, ça n'est pas encore arrêté, mais je précise que la ville utilise déjà cette formule des bons concours, enfin des fonds concours pour soutenir le commerce de Saint-Dié-des-Vosges, puisqu'une partie des primes qui sont versées aux salariés le sont sous forme de chèques qui ne peuvent être consommés que dans le commerce déodacien. Donc, c'est un peu la même formule qu'on va essayer d'utiliser, mais sans doute qu'on remettra ces chèques cadeaux plutôt aux associations de commerçants pour qu'ils organisent un jeu concours qui permettra de les gagner. Et juste peut-être dernière question sur le centre-ville. Est-ce que les rues aussi, rues d'Alsace, etc., vous considérez ça comme le centre-ville et pour les commerces de centre-ville ? Je pense qu'on peut retenir le périmètre d'Action Cœur de Ville. Hein, c'est un périmètre... Je m'adresse notamment aux élus. On vous enverra donc les cartes de ce périmètre, puisque la semaine prochaine, au Conseil municipal, vendredi, on aura des délibérations qui concernent Action Cœur de Ville. C'est un périmètre très large, hein, qui inclut notamment, bien sûr, la rue d'Alsace, évidemment, qui va même jusqu'à la rue des Travailleurs. Donc, on est dans une acception assez large de la notion de centre-ville. Bien sûr, vous pouvez compter sur moi pour ne pas oublier la rue d'Alsace. Est-ce qu'il y a d'autres ? Ah oui, alors sur la rue Joseph-Mangin, excusez-moi, je ne vous ai pas répondu. On propose une piétonnisation définitive de cette rue. Je note d'ailleurs que si nous avons, avec la majorité, repris cette proposition dans le projet municipal, c'était une proposition qui avait été formulée par une autre liste que celle que je conduisais en 2014, celle de Madame Kerr. Et donc, c'est la preuve que les bonnes idées se retrouvent dans d'autres projets. Même si elles mettent parfois un petit peu de temps à aboutir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, écoutez, on peut passer au vote. Il n'y a pas d'autres remarques. Qui est pour ce plan de soutien au commerce ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Je précise pour les nouveaux élus que c'est un peu exceptionnel aussi aujourd'hui parce que c'est moi qui présente tous les points. Évidemment, ça ne sera pas le cas dans les autres conseils municipaux. Mais comme les adjoints qui ont été élus n'ont pas encore leur délégation, ils ne peuvent pas présenter ces points. Et souvent, ils n'ont pas toujours connaissance des dossiers comme ils l'auront dès la semaine prochaine, même s'il faudra évidemment leur laisser un peu de temps pour rentrer dans les dossiers. Je précise aussi que certains conseillers municipaux, conseillers délégués peuvent très bien présenter des délibérations. C'est arrivé à plusieurs reprises lors du mandat précédent, en fonction soit de leur domaine de compétence, soit tout simplement des points qu'ils sont amenés à suivre dans leur délégation ou hors délégation. Le point suivant appelle la désignation des membres de la conférence des présidents de groupe. Alors,
C'est une, là aussi, vous avez peut-être lu les textes qui prévoient dans le règlement municipal cette conférence. Elle se réunit habituellement quelques jours avant le conseil municipal, en général un peu après que l'ordre du jour a été envoyé, pour pouvoir organiser le déroulé de la séance. Par exemple, est-ce que l'opposition souhaite intervenir avec un seul orateur sur le vote du budget, qui est un point très très long et très détaillé, ou est-ce qu'elle souhaite intervenir à plusieurs voix, mais dans ce cas-là avec des temps de parole qui sont moins longs. Est-ce qu'il y a des éclaircissements ou des précisions à demander sur tel ou tel point? Voilà, ça permet de régler ce type de sujet entre le président du groupe de la majorité, les présidents des groupes d'opposition et, le cas échéant, le maire qui, évidemment, peut participer à cette réunion. Ça dépend des fois, en fait. Quelquefois, j'y vais, quelquefois, je n'y vais pas. Mais ça permet d'organiser ce dialogue et d'organiser la fluidité de la séance. On l'a fait systématiquement avant tous les conseils municipaux au cours de la mandature précédente. Donc c'est de nouveau une liste sur laquelle on va devoir... on ne va pas devoir voter, ce sera une information, exactement. Je vois la délibération. On prendra acte de cette décision prise par chacun des groupes. Donc, je propose pour le groupe de la majorité que M. Jean-Marie Von der Cher soit président de groupe. Je souhaiterais connaître pour les deux autres listes l'identité du président de groupe. Alors, pour l'une d'entre elles, ce sera assez rapide, M. Mouret, mais pour l'autre liste, mais je vous donnerai néanmoins la parole. Pour l'autre liste, je souhaite donner la parole à une personne, si possible. Alors, nous concernant, c'est Mademoiselle Amélie M. Burger qui sera présidente du groupe. Très bien. Et donc, M. Mouret, vous serez président de groupe. Vous souhaitez prendre la parole ? Donc, bien entendu, Monsieur le maire, je serai... président de groupe, et je tiens aussi à saluer le fait que vous m'intégriez à cette conférence des présidents. Merci. Là-dessus, pas de problème. Hein. C'est évidemment, ça fait partie du travail démocratique, et vous verrez que ça se passe en général très très bien. Hein. C'est plus l'objectif, c'est d'organiser la fluidité de la séance. On prend donc acte de cette composition. Alors, c'est déjà le huitième point, mais je ne sais plus dans quel ordre il est par rapport au point formel qu'on a rajouté à l'élection des adjoints. Ça concerne donc la délégation au maire de certaines attributions du conseil municipal. Donc, je peux vous en donner lecture, c'est relativement long. Ce sont les délégations classiques d'un maire dans la quasi-totalité des conseils municipaux de France. On a repris très exactement la liste des délégations précédentes au conseil municipal. Elle est relativement identique à celle qui est pratiquée dans toutes les municipalités. Il n'y a pas de pouvoir plus excessif qu'ailleurs. Je précise que, évidemment, en dehors même de ce qui est précisé, même quand le maire a des délégations qu'il peut exercer seul, il doit en rendre compte dans les décisions prises au conseil municipal dans un certain nombre de sujets. On le verra tout à l'heure, notamment l'exercice du droit de préemption. Je ne vais pas vous donner lecture de l'ensemble de la délibération, je pense que vous en avez pris connaissance. Y a-t-il des questions sur ce sujet ? Il n'y en a pas, on peut donc passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est donc adopté à l'unanimité, merci beaucoup. Je précise qu'on prend cette délibération par anticipation, hein, puisque normalement, l'ordonnance du 1er avril 2020 s'applique jusqu'au 10 juillet. Donc, en théorie, le maire a de plein droit beaucoup plus de pouvoir que ceux qu'on a nommés, mais ça nous permettra du coup de fonctionner après cette date du 10 juillet normalement. Le neuvième point concerne la définition des taux d'imposition applicables en 2020 à chacune des trois taxes directes locales. Alors, on a déjà voté les taux, bien sûr, des taxes. On le fait à chaque fois au moment du vote du budget. C'est la première fois, je crois, que le contrôle de légalité, c'est-à-dire la sous-préfecture, nous fait savoir qu'il faut les voter au cours de l'année pour lesquelles ils vont s'appliquer. Et donc, on vous propose tout simplement de voter ce qui avait été voté par le conseil municipal précédent, à l'unanimité, je crois d'ailleurs, tout groupe confondu, sur le niveau des taxes qui n'ont pas varié à Saint-Dié-des-Vosges sur le bloc local, intercommunalité et commune, depuis 2014, donc avec une taxe d'habitation pour la commune de 25,75%, une taxe sur le foncier bâti de 22,19% et une taxe sur le foncier non bâti de 37,32%. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Oui, M. Mouret, allez-y.
Je souhaite une baisse, même si elle serait symbolique, sur le taux de la taxe d'habitation pour donner davantage de pouvoir d'achat aux Déodaciens. Par ailleurs, je regrette que lorsque le groupe Rassemblement National au Conseil régional a demandé une baisse de la TICPE, donc la taxe sur les carburants, la majorité dont vous êtes le vice-président a voté son maximum. Ainsi, vous avez privé d'une augmentation du pouvoir d'achat environ 5,5 millions d'habitants. Je vous propose donc à Saint-Dié d'offrir du pouvoir d'achat supplémentaire par une baisse symbolique de la taxe d'habitation. Bien, merci, monsieur le conseiller municipal. D'abord, je ne suis pas le seul vice-président de la région. Vous avez dit que vous êtes le vice-président. Je suis un des vice-présidents de la région Grand Est. Et effectivement, j'ai pris cette décision. Mais ce qu'il faut tout de suite, avec mes collègues, ce qu'il faut tout de suite préciser, on n'est pas ici dans le débat régional, c'est que la région Grand Est, encore aujourd'hui, a un taux marginal de TICPE qui est parmi les plus faibles de toutes les régions françaises. Et qu'on a simplement ajusté ce taux parce que pour mener des politiques publiques, il faut aussi avoir des moyens. Pour ce qui est de la taxe d'habitation, vous le savez, elle va être supprimée en France et elle a d'ailleurs été supprimée déjà pour une grande partie des contribuables progressivement pour les bases d'imposition 2019 et 2020. Et d'ailleurs, il est prévu qu'elle soit compensée pour notre commune par la part de la taxe sur le foncier bâti qui était perçue précédemment par les départements. Donc, si nous prenions cette décision, ça jouerait à notre désavantage, puisque l'État, dans le calcul qu'il va faire entre ce que le département, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, mais gagnait à Saint-Dié-des-Vosges en taxe sur le foncier bâti, et ce que la commune gagnait avec la taxe d'habitation, si on baisse la taxe d'habitation, du coup, l'État va nous dire « mais vous gagnez plus avec ce que le département percevait auparavant » et donc va nous retirer une partie de cette taxe sur le foncier bâti. Donc évidemment, ce n'est pas du tout l'intérêt de la ville et du coup, ça produira aucun effet sur la fiscalité des habitants. Donc s'il y a bien une taxe qu'aujourd'hui, il ne faut pas toucher, c'est la taxe d'habitation. Voilà ce que je voulais dire simplement. Encore une fois, sur le fond, on peut toujours… Ça a été l'objet de nombreux débats lors de la mandature précédente. Les élus qui étaient là s'en souviennent. On peut toujours proposer des baisses d'impôts facilement, mais compte tenu de la situation financière dans laquelle est toujours la ville de Saint-Dié-des-Vosges, malgré son désendettement de 10 millions d'euros, il est déjà difficile de maintenir les taux. Et je pense que c'est d'ailleurs la ligne de conduite que je vous proposerai de façon constante au cours de ce mandat, si toutefois Monsieur l'adjoint aux finances en sera d'accord. Et la majorité, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Une voix contre. Qui s'abstient ? 3 abstentions. Très bien. Donc, c'est adopté à la majorité. Le point suivant. Oui, alors, je vois qu'il faut... peut-être on délibérera ça une autre fois, la semaine prochaine. Le point suivant concerne l'installation d'une ligne électrique souterraine dans le quartier de Kellermann. Donc, c'est une servitude qui nous est demandée sur des parcelles dont vous avez reçu le numéro cadastré. Je ne sais pas s'il y a d'autres points à porter à la connaissance du public, peut-être, puisqu'il est resté en fonction. Patrick, tu souhaitais ajouter quelque chose sur cette affaire ? Non mais présente-nous de façon un peu littéraire si tu veux. Attends. Ce que je peux dire, c'est au niveau du rond-point. Ça se situe au niveau du rond-point de l'Intermarché. Il y avait une ligne souterraine qui passait au niveau de la route et avec EDF. On a regardé comment on pouvait rechanger le câble sans être obligé de démonter le trottoir ou une partie de chaussée. On a trouvé la solution de passer en limite de la clôture où les bâtiments Vaugélis sont. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette servitude assignée pour leur permettre éventuellement d'intervenir s'il y a un problème sur le câble. Voilà, monsieur le maire.
Alors, je précise juste, monsieur l'adjoint, même si vous avez utilisé, je pense, le terme qu'utilise la quasi-totalité des habitants de notre ville, que le rond-point dont vous avez parlé s'appelle rond-point Pierre Mauroy. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant, point numéro 11, concerne une demande de surclassement démographique pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges. C'est une possibilité qui nous est offerte par le Code général des collectivités territoriales, qui précise que, évidemment, la population d'une ville définit une partie de la solidarité dont elle doit bénéficier au regard de l'État, mais que certaines villes assument des fonctions plus importantes que ce que leur seule population pourrait indiquer. Et dans les critères qui permettent de faire cette demande de surclassement, qui est valable pour beaucoup de choses, notamment pour la dotation générale de fonctionnement, figure le fait d'avoir des quartiers qui sont classés comme politique de la ville, c'est-à-dire des quartiers qui ont besoin de plus de solidarité que ceux d'autres villes. Et c'est le cas pour nous, puisque au regard de l'État, il y a deux quartiers politiques de la ville à Saint-Dié-des-Vosges, Kellermann et Lormes-Saint-Roch, même si Lormes et Saint-Roch sont très différents, évidemment. Puis le deuxième critère qui ouvre cette possibilité de surclassement, c'est le fait d'être classé station de tourisme, car cela suppose qu'il peut y avoir une fréquentation plus importante, une population plus importante dans la ville à un moment donné, et c'est le cas pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Donc je vous demande de bien vouloir délibérer sur cette demande de surclassement démographique de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Oui, monsieur Mouret, allez-y. Je tiens à me prononcer favorablement à cette demande de surclassement démographique, puisque, comme vous l'avez rappelé, elle permettra à la ville d'avoir davantage de ressources. En revanche, ça révèle aussi l'enjeu démographique qu'il y a à Saint-Dié-des-Vosges et la nécessité d'être attractif et d'attirer la population vers Saint-Dié. Et je pense que ça passera avant tout par changer l'image de la ville, car aujourd'hui, quand vous regardez les médias, habituellement, vous voyez dans la presse, Saint-Dié, c'est des vols, c'est des agressions, c'est aussi parfois des rodéos urbains. Donc je pense que le changement de cette image passera par la sécurité, en partie. Merci, monsieur le conseiller municipal. Bon, après, on peut toujours sélectionner ce qu'on voit dans la presse. On a vu le Tour de France, on a vu le classement au patrimoine mondial de l'humanité de l'usine Le Corbusier. On voit les musiciens du conservatoire de Saint-Dié qui joue pendant le confinement, voilà les articles aussi qu'on voit sur Saint-Dié-des-Vosges. Et quand on est aussi élu de la ville, il faut à la fois être lucide sur ces difficultés, mais ne pas en parler toujours en mal. C'est vrai que cette question de la démographie est un enjeu clé, vous avez raison de le rappeler, mais c'est une difficulté que nous partageons avec une grande partie du Grand Est et avec tout le département des Vosges, puisqu'il n'y a quasiment aucune ville dans les Vosges qui gagne des habitants ces dernières années. Alors, il va falloir, vous avez raison, essayer de trouver des solutions pour renverser cette vapeur démographique, même s'il faut également être lucide. Entre nous, on peut se le dire, une tendance démographique, ça met du temps avant de se redresser, et il ne suffit pas de 1 ou 2 ans, mais il faut souvent plusieurs décennies. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant concerne une convention de mise à disposition d'agents de la ville de Saint-Dié-des-Vosges au profit de la communauté d'agglomération. Alors, là aussi, pour les nouveaux élus, c'est des choses qui se font souvent d'une structure à une autre, en particulier au sein du bloc communal, c'est-à-dire entre la commune et l'intercommunalité. Il s'agit souvent d'agents qui ne souhaitent pas forcément changer de collectivité de rattachement. Et en l'occurrence, on a trois cas d'agents. Donc, Madame Mia Fontana, qui travaillait auparavant dans les écoles, à l'école Ferdinand Bruno, je crois, qui désormais est mise à disposition de la communauté d'agglomération pour travailler au sein de la médiathèque Victor Hugo. Madame Anim Atmaka, qui était auparavant agent de la ville de Saint-Dié-des-Vosges et qui travaille aujourd'hui au sein de la maison de service au public du quartier de Saint-Roch. Et Madame Oulia Kartal, même raisonnement, qui était auparavant salariée de la ville de Saint-Dié-des-Vosges et qui désormais est mise à disposition de la communauté d'agglomération pour animer
la maison de service au public de Saint-Roch. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. Nous pouvons donc passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Et qui s'abstient ? C'est donc adopté à l'unanimité des suffrages exprimés. Le point suivant concerne une convention de groupement de commandes. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est assez simple. Là aussi, je m'adresse notamment aux nouveaux élus. Il s'agit de regrouper ensemble plusieurs acheteurs qui ont besoin de la même chose pour pouvoir obtenir des tarifs plus bas parce qu'on achète plus de choses à la fois. J'ai essayé d'exprimer, c'est assez simple. Et c'est un des moyens souvent de faire des économies. Par exemple, je dis ça de tête, mais la communauté d'agglomération de Saint-Dié, la ville de Saint-Dié, sont membres d'un groupement de commandes pour l'achat de gaz avec la métropole de Nancy. Souvent, ces groupements de commandes sont à taille un peu plus modeste. Ils se jouent entre la ville, la communauté d'agglomération et le centre communal d'action sociale. C'est le cas de ceux que nous avons à examiner aujourd'hui. Et ça permet effectivement de faire baisser les dépenses globales en achat. Alors, ce qui est important aussi à noter dans ces groupements de commandes, c'est le coordonnateur, c'est-à-dire celui qui, sur le plan administratif, assure la gestion du marché, le suit et bien sûr on fournit les pièces nécessaires. En l'occurrence, sur les marchés, sur les groupements de commandes dont on aura à parler, le coordonnateur, c'est la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Alors, le premier de ces groupements de commandes concerne la reprographie, la numérisation et les impressions numériques, donc notamment les photocopieurs, mais pas seulement, les imprimantes. C'est un marché qui arrivait à échéance en octobre 2020, et donc il faut le renouveler, il faut autoriser la ville à rentrer dans ce groupement de commandes avec l'agglomération et le CCAS pour acheter des photocopieurs, des imprimantes, etc., etc., ensemble, et en espérant que ce soit moins cher, bien sûr. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. Eh bien, écoutez, on peut passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant concerne une autre convention de groupement de commandes. Cette fois-ci, c'est pour l'achat et la livraison de fournitures de bureaux, de stylos, de papier d'imprimante, d'encre, voilà. Tout ce que vous pouvez imaginer comme fournitures de bureaux, de post-it, etc., etc. Toujours avec la ville de Saint-Dié-des-Vosges comme coordonnateur et avec le CCAS de Saint-Dié-des-Vosges, l'office de tourisme, cette fois-ci intercommunal, la ville et la communauté d'agglomération. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. Eh bien, écoutez, on peut passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant, c'est toujours un groupement de commandes pour des appareils élévateurs. Cette fois-ci, on se doute que c'est plutôt pour la maintenance, hein, parce que et le dépannage, en l'occurrence, c'est ça. Hein. CCAS, ville et agglomération, donc pour les ascenseurs. Y a-t-il toujours coordonnateur, la ville de Saint-Dié-des-Vosges ? Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. On peut passer au vote. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, le fait que je sois le seul à parler et qu'on est aussi éloigné, ça donne un côté très solennel. En plus, avec les masques, j'arrive pas à voir les regards des uns des autres. J'espère qu'on aura d'autres occasions d'échanger de façon plus conviviale si la situation sanitaire se rétablit. Le point suivant concerne le tableau des effectifs. Donc, de façon classique, vous verrez, là aussi, je m'adresse notamment aux nouveaux élus, on aura souvent à aborder un point de ce type avec des suppressions de postes qui sont souvent liées à des mutations ou des créations de postes qui sont liées à des promotions ou à des recrutements. En l'occurrence, il y a une création dans la filière animation d'un poste d'adjoint d'animation principale de première classe à 35 heures. Donc, c'est le résultat d'un changement de filière pour l'agent concerné. Et puis, la suppression dans la filière administrative d'un poste d'attaché à 35 heures. Voilà. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet ? Il n'y en a pas. Eh bien, écoutez, nous pouvons passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté à l'unanimité. J'espère que le silence n'est pas lié à la chaleur qui se dégage déjà de nos masques, hein, qui avec le temps, contribuera peut-être à ce que nos conseils municipaux soient plus rapides, mais les travaux en amont et en aval ne seront pas moins denses. Le
dernier point à l'ordre du jour du conseil municipal appelle l'examen du rendu des décisions du maire, donc qui ont été prises en vertu des délégations qui lui avaient été accordées par le conseil municipal sous le mandat précédent. Donc, cinq décisions. Bon, il y en a deux qui sont importantes, on peut se le dire, hein, même si elles sont toutes importantes, évidemment, pour les citoyens concernés. Il y a un renouvellement de concession de source en forêt communale de Saint-Dié-des-Vosges au profit d'un particulier pour 9 ans. Donc ça, c'était le 16 décembre 2019. Le renouvellement d'une autre concession de source en forêt communale au profit d'un autre particulier, c'est par anticipation à partir du 13 juillet 2019. Une convention entre la ville et les clubs sportifs qui participent à l'encadrement des passeports vacances et des sports loisirs évasion pour l'année 2020. Et puis, il y a deux préemptions. Vous savez, le droit de préemption, c'est ce droit qui revient maintenant à la communauté d'agglomération, mais qui peut déléguer ce droit à la commune pour faire valoir l'intérêt de la commune ou de la communauté d'agglomération comme l'emportant sur un intérêt privé quand il y a un bien qui est vendu, avec la plupart des biens, pas tous, mais qui sont soumis à ce droit pour permettre à la commune ou à la communauté d'agglomération de faire valoir un intérêt qu'elle aurait à acquérir prioritairement telle ou telle parcelle. Évidemment, ce droit, je parle devant un juriste, est soumis à un certain nombre d'obligations, notamment l'obligation d'avoir un projet derrière pour la commune. Donc, on est amené à l'exercer de temps en temps, beaucoup moins souvent qu'on imagine. Il se trouve que j'ai exercé ce droit de préemption pour la commune pour deux parcelles qui sont contiguës. Et je vais vous expliquer tout de suite de quelle parcelle il s'agit. Ce sont deux parcelles qui correspondent à un terrain qui est situé aux abords de l'usine Le Corbusier, chemin de la Côte-Calot, qui correspond aux anciennes marbreries Zimmermann, donc à proximité du cimetière de la Côte-Calot. Et la raison de la préemption est liée à deux projets que nous avons présentés ici à plusieurs reprises. D'une part, le projet d'aménagement de la rue Revel, du chemin de la Côte-Calot et de la rue des Alliés, dont je ne sais pas d'ailleurs, monsieur l'adjoint aux travaux, si elle est terminée du point de vue de ces aménagements, mais vous me donnerez sûrement la réponse une fois que le conseil municipal sera achevé. Pour pouvoir éventuellement disposer d'une réserve foncière pour augmenter la capacité de stationnement du chemin de la Côte-Calot. Et puis, ce qui est la raison la plus forte, évidemment, la décision que nous avons prise il y a déjà plusieurs mois, même plusieurs années, de nous positionner systématiquement sur les parcelles qui environnent cette usine dans l'hypothèse de la valoriser ou de pouvoir réaliser des projets d'aménagement futur et de valorisation future. C'est ce que nous avions fait déjà pour la parcelle qui était à vendre, vous en souvenez, rue de la cathédrale, avec une maison qui a été achetée par la ville et détruite sur un terrain qui aujourd'hui est vide et qui va devoir être aménagé dans les mois qui viennent. Voilà, donc ces deux, pour des raisons tout à fait foncières, il y a deux parcelles, mais en réalité, c'est la parcelle qui correspond à la marbrerie Zimmermann, chemin de la Côte-Calot. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur toutes ces décisions du maire? Il n'y en a pas, mais écoutez, l'ordre du jour étant clos, il n'y a pas de questions cette fois-ci. Il y en aura peut-être dans les autres séances. Je vous remercie tous de votre participation et de votre confiance. Et je vous invite donc au conseil municipal qui se réunira vendredi prochain, vendredi 5 juin à 19h, ici même, pour aborder la suite de l'installation du conseil municipal et notamment la composition des commissions et des différents comités et autres auxquels nous participons. Merci à tous. Bonne soirée à vous.